fallait offrir un accueil digne de ce nom, empreint d'humanité, à des gens dans la souffrance, dans la douleur. Et je crois, sans préjugé de la suite, que c'est ce qui a été fait. Et je suis heureux et fier que la commune de Porto-Vic, de ce point de vue-là, ait été, avec l'ensemble de ses partenaires, parfaitement au rendez-vous. Je sais qu'il y a souvent sur ces questions des discours un peu alambiqués, le mien est dénué de toute ambiguïté, et je distingue pour ma part la question de l'accueil de celle de l'asile. Et je crois qu'il était véritablement important, au plan éthique et moral, de pouvoir offrir à ces populations, à cette famille, un accueil humain, digne, à la hauteur de la douleur et de la difficulté qu'ils venaient de rencontrer et de traverser. Reste pendante la question de l'asile, qui ne m'appartient pas en tant que maire, mais qui dépend d'une procédure plus longue, plus complexe, et qui associe quantité d'acteurs. J'espère simplement, comme je l'ai dit, que la même bienveillance et la même volonté d'écoute et de partage prévaudra au moment des choix.